Ladies and gentlemen, please welcome back John Quelch. Ladies and gentlemen, we have the privilege. Bonjour. Nous avons ici un certain nombre d'invités. Le premier invité qui devrait arriver d'ici peu de temps. Donc d'ici là, bonjour Dominique. Est-ce que c'est votre premier voyage au Gabon? Oui, tout à fait. Permettez-moi d'abord de vous demander, McKinsey est une entreprise globale extrêmement respectée. Le fait que vous soyez devenu ce personnage au sein de McKinsey, quels sont les talents qui vous ont été donnés? Je ne sais pas, parce que c'est un système de vote. On est choisi parmi ses collègues. Je pense que si je regarde ce que j'ai fait, je crois qu'on a besoin de personnes qui ont vécu dans plusieurs pays, qui ont eu des expériences dans des pays différents. Par exemple, j'ai passé plus de 10 ans en Asie. Ce sont aussi des personnes qui sont curieuses sur l'évolution du monde, car nous vivons des temps incroyables et qui changent à une allure fantastique. Donc la curiosité, la capacité à prendre en compte les changements, à changer les organisations. Chez McKinsey, nous n'aimons pas... Nous n'appliquons pas à nous-mêmes nos propres politiques. Les 1500 partenaires n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Donc on travaille vraiment en partenariat. Et donc cette façon de diriger doit être est difficile à mettre en place. Si je regarde le temps que vous avez passé dans un tel rôle, quelle est la vision, qu'est-ce que vous aimeriez apporter à McKinsey? Bien évidemment, vous devez faire adhérer l'ensemble des personnes à cette vision, mais quelle est la vision principale ou de là où vous voudriez emmener McKinsey? Tout d'abord, je voudrais que nous soyons l'institution la plus pertinente, c'est-à-dire celle qui travaille sur les problèmes les plus importants, à la fois globaux et locaux. Il est évident qu'on ne peut pas travailler surtout, par exemple, dans les discussions de paix entre Israël et Palestine, donc sur les discussions politiques, nous ne pouvons pas. Mais sur un certain nombre d'autres points, comme nous sommes complètement indépendants, privés, globaux, nous avons cette capacité à donner nos opinions et nous essayons de recruter les meilleures personnes. Donc être grand et pertinent sur tous les sujets. Deuxièmement, il y a des domaines où nous devons changer. Le monde bouge maintenant vers les pays émergents, où il y aura 2,2 milliards de classes moyennes. Nous sommes déjà aux États-Unis, en Europe, et si nous voulons continuer à être une place importante, une institution importante en 2020, nous devons être présents partout, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Alors comment est-ce qu'on peut bouger? Notre centre de gravité est un point important. De votre expérience en Chine et en Corée, quelles sont les leçons que les économies africaines peuvent retenir, parce que finalement elles expérimentent le même type de transition? Je crois qu'il y a quelques dimensions. La première est au niveau de la gouvernance. Un des secrets du modèle chinois est finalement la force de la bureaucratie et de l'administration. Lorsque je suis allé, j'étais là-bas, le maire de Shanghai en 1995, eh bien, les réunions étaient déjà, bien qu'il ait un drapeau communiste rouge, les réunions avaient déjà mis en place les KPI, les indicateurs de performance, combien d'écoles,
comment mettre en place les logements sociaux, etc. Donc des choses très pragmatiques. Donc la gouvernance, le niveau de l'administration et du service public est très important, de telle façon que les choses soient faites. Je passe maintenant plus de chances de temps en Afrique. Et quand on me demande quelles sont les priorités, je crois que c'est d'abord la capacité, l'aptitude à faire que les choses soient faites et bien faites. Deuxièmement, si on regarde l'innovation en Chine, un petit exemple, Peter Moores, qui est à la tête d'une entreprise d'assurance à Shanghai, a été celui qui a poussé le groupement des assureurs chinois. Ils ont eu une licence leur permettant de vendre des assurances à l'ensemble des employés. Et eux, ils en ont vendu le plus. Et en fait, on lui a dit, ben voilà, vous devenez le PDG de cette compagnie. Il a maintenant plusieurs dizaines de milliers d'employés, plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il a été le premier PDG de Chine à aller à Taïwan. Donc, faire en sorte que la communauté des entreprises se mette ensemble et joue un rôle, voilà, c'est ce qui s'est passé en Chine et c'est ce qu'il faut, ce qu'il se passe en Afrique. Donc, encore une fois, une gouvernance forte et deuxièmement, la capacité pour les entreprises de se rassembler et d'avancer pour créer des emplois. Et ensuite, il faut laisser mûrir. Est-ce que vous avez une idée de la capacité entrepreneuriale, de l'aptitude entrepreneuriale en Afrique? Comment est-ce qu'on peut stimuler cela? Je suis très surpris et heureusement surpris de la capacité des entrepreneurs ici. C'est en Afrique que l'on a maintenant les plus jeunes milliardaires. Nigeria, Angola, il y a des talents extraordinaires. Ce qu'il faut faire, c'est que l'on puisse mettre encore plus d'éducation, d'esprit d'entrepreneur et de capacité financière. Il faut que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 1 million à 25 millions de chiffre d'affaires, c'est vraiment là que ça se passe. C'est là que le potentiel est énorme. Et ce sont ces entreprises qui ont besoin de financement. Et ces entreprises n'ont pas encore accès aux capitaux pour l'instant. Mais je suis très enthousiaste. On a déjà bien travaillé. Si on revient il y a 20 ans, et si on regarde dans 20 ans, où seront les plus grosses sociétés, on se dit que 20% se trouveront en Afrique. Les gens qui sont ici le savent. Je suis comme un cochon qui cherche ses truffes, les truffes étant les entrepreneurs que je vais pouvoir aider. Oui. Revenons à la formation, à la santé, à l'éducation. Encore une fois, en reliant cela à votre pratique, à votre expérience, ce sont deux domaines extrêmement importants. Le capital humain, vous pouvez donc avoir ce que j'ai dit, la gouvernance, la façon de faire les choses, mais il n'empêche que le capital humain reste absolument essentiel. Si je reviens à l'Asie, Singapour, Corée, ils n'avaient rien. C'était de la poussière sur une île. Ce sur quoi ils se sont concentrés est vraiment sur le capital humain. L'éducation, le système de formation, la formation professionnelle, former les gens aux emplois nécessaires. Et je crois donc que c'est absolument vital. Les infrastructures sont importantes, mais je crois qu'il faut mettre encore plus d'emphase sur l'éducation. Car nous savons, les avantages compétitifs d'un pays sont liés à son niveau d'éducation. Une dernière question avant que l'on passe aux questions du public. McKinsey aide beaucoup de multinationales occidentales
à allouer des ressources dans l'ensemble du monde. Est-ce que vous voyez des changements, particulièrement en termes de géographie, reliés à l'Afrique? Et dans quel secteur, sur quel exemple cela vous semble le plus évident? Oui, c'est pourquoi il faut que nous changions nous-mêmes. On se rend compte que beaucoup de PDG de grandes multinationales, comme Smith, Beecham, ces PDG de grandes entreprises nous disent, ben voilà, maintenant c'est l'Afrique, avant c'était l'Asie. La nouvelle Asie, c'est l'Afrique. La plupart des grandes multinationales, des sociétés grandes multinationales, veulent développer leurs affaires, leurs activités, et pour ça, ils viennent en Afrique. On voit, par exemple, un des facteurs importants, c'est l'augmentation rapide de la classe moyenne ici en Afrique. Par exemple, au Nigeria, il y aura plus de bébés à naître que dans l'ensemble de l'Europe. Donc vous vous rendez compte que le marché de la consommation sera au Nigeria extrêmement important. Donc si vous ne faites rien au Nigeria, eh bien vous avez un problème. Voilà un très bon exemple. Je vais me tourner vers le public. Je répète que la question, c'est une phrase, un point d'interrogation à la fin. Qui veut commencer? Quelqu'un, s'il vous plaît, allez-y. Oui, au premier rang, question au premier rang. Oui, Microsoft, je répète ma question. Quand vous évaluez les sociétés, est-ce que vous évaluez la richesse qu'ils créent dans les écosystèmes dans lesquels ils travaillent, la chaîne de valeur dans laquelle on doit prendre en compte des petites entreprises qui travailleront avec elles? Oui, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Donc on ne regarde pas seulement la chaîne de valeur de l'écosystème, mais évidemment, toutes les entreprises qui vont être créées, qui vont travailler avec l'entreprise. Mais quel est le rôle que l'activité va générer au sein de la société? Il faut que les entrepreneurs, par exemple, on pense à Adam Smith, la théorie des sentiments moraux, il disait que l'entrepreneur doit prendre soin de la société dans laquelle il agit. Et c'est la même chose, et j'y crois. On a perdu ça dans les 30 dernières années, c'est sûr. On a augmenté les prix. On a, oui, vous pouvez nous dire que McKinsey a été, de ce point de vue-là, assez jésuite en acceptant cela. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que si on ne prend pas en compte cet aspect global, eh bien, on ne pourra pas être en activité. Je crois que les PDG, si vous êtes le PDG de ICI Bank, vous prenez soin de l'éducation. Ce n'est pas parce que vous devez le faire et c'est politiquement correct. C'est parce que c'est absolument nécessaire pour pouvoir ouvrir les agences et développer les activités dans le pays où vous voulez aller. Et donc, je crois que l'écosystème doit être large. Par exemple, les fonds pour les retraites. Il faudra également regarder l'empreinte que vous laisserez, notamment sur toutes les mesures de santé. Est-ce qu'il est possible que, dans le contexte africain, il puisse y avoir une redéfinition du modèle capitalistique allant vers quelque chose qui est plus vers le long terme? Oui, oui, je suis d'accord. Je crois que l'Afrique demande une pensée à long terme. Donc on parle des infrastructures, comme on l'a dit tout à l'heure. Par définition, on parle ici de long terme. L'éducation, la santé, ce n'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain. Encore une fois, c'est la discussion qui a eu lieu auparavant. Nous avons besoin de fonds souverains forts dont l'horizon est à 15 ou 20 ans.
Et il, avec les gens du secteur privé, ils eux-mêmes sont demandeurs de ce délai plus long. D'autres questions? Oui. Dominique, pour revenir, combien de bureaux avez-vous en Afrique et parmi les 1500 partenaires que vous avez, combien sont en Afrique, où sont-ils basés et comment voyez-vous cela dans 10 ans? Nous avons des bureaux à Johannesburg, Lagos, Rwanda, Nairobi, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, je pense, l'Éthiopie, Addis Abeba. Voilà où nous sommes. On commence juste de ce point de vue-là. Nous avons mis en place un bureau africain parce que avant, on était organisé en zone. On avait la zone EMA, Europe, Middle East, Africa. Donc maintenant, on va regarder plus à long terme. On doit investir dans ces zones en les ouvrant et en les spécialisant. Le nombre de partenaires ici est probablement 60, certainement pas assez. Le nombre de partenaires travaillant en Afrique est de l'ordre de 170. C'est le plus gros chiffre, d'ailleurs, par rapport aux autres sociétés de notre genre. Donc, nous recrutons et nous devons doubler le rythme de recrutement. Mais ça ne sera probablement pas suffisant compte tenu de toutes les opportunités. Une question de plus. Question brève, s'il vous plaît. Je m'appelle Yann Pembu, Managing Partner in Capital. Comme nous savons, en Afrique, on a très peu de données nous permettant de faire des analyses financières. Comment est-ce que vous faites, vous, McKinsey, pour avoir des données vous permettant de faire ces analyses importantes? Je suis complètement d'accord avec vous. Pour avoir des données précises, à jour, c'est difficile. Donc, en fait, on prend nos propres données. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, en Chine. Le marché en Chine changeait si vite que les gens comme Nielsen et d'autres n'arrivaient pas à avoir les bases de données. Donc, on a créé notre propre base de données. Et donc, en fait, on nous dit parfois, ben non, on n'a pas besoin de vos collaborateurs, donnez-nous vos données. Donc, nous créons nous-mêmes notre propre base de données, nous permettant d'appréhender le changement si rapide. Une fois tous les 2 ans, si on ne revoit qu'une fois tous les 2 ans, ce n'est pas assez rapide en termes de biens de consommation, par exemple. Donc, nous construisons en permanence cette base de données. Nous devons également, nous, McKinsey, changer notre façon de travailler avec les clients. Nous avions 2 modèles. Le modèle de projet sur 6 mois, ça n'est pas assez flexible. Les gens, aujourd'hui, veulent simplement peut-être des données ou un logiciel ou de l'éducation. Donc, certainement, les données, c'est très important. Oui, Dominique, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Donc, merci de bien vouloir applaudir Dominique Barton, directeur général McKinsey. Maintenant, nous allons recevoir Christine.